n'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas? Ça, on en parlera plus tard. Ce n'est pas prévu dans l'unboxing. Mais, bien sûr, de l'unboxing spécial PlayStation. La PS4 arrivera vite fait, hein. Ça sera au montage total de la vidéo. Donc salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming. Et aujourd'hui c'est spécial Café Show Collector. Oui, c'est un Café Collector, vous avez vu l'intro. PlayStation 5, voilà les amis. Il y aura la console avec. Donc moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Putain, il ne reste plus que beaucoup de batterie. Donc on attaque la caméra. Hop. Hop. Alors ça va être chaud avec... Avec bien sûr une seule main, c'est pas facile. La DualShock, la DualSense, pardon. On s'en chargera avec bien sûr la caméra rechargée, bien sûr. Et bien sûr, c'est difficile quand on n'a pas de trépied à côté de soi. Et vous allez comprendre que Sony ne sont pas très écolos. Parce que, bien sûr, un deuxième carton, hein. Trouvez ça pas normal? Moi, si, je trouve ça normal. Et donc, on va parler de la fameuse caméra vite fait. Voilà. Elle est petite, hein, la caméra. D'après ce que j'ai compris, moi. D'après ce que j'ai vu, l'annonce de la console. Quand ils ont présenté la console et les accessoires Sony lors du event. Hein, du fameux conférence de. de Sony, hein, bien sûr, hein, le State of Play. Mais on va en parler plus en bref. Quand je ferai l'unboxing de la console. Mais bon voilà. Donc en plus vite, voilà, la caméra. Elle est petite, elle est vraiment à la paume de ma main. Un petit peu, voilà. À peu près, voilà. Un peu la paume à ma main, quoi. Petite caméra, hein, franchement. Pas compatible au PlayStation VR. Donc si vous voulez jouer au VR, vous devez avoir votre vieille caméra, PlayStation caméra, avec un adaptateur qu'il faut aller sur le site de Sony, bien sûr. Allez sur le site de Sony, plus mettre le numéro série de votre caméra pour bien sûr, tu vois, ça commence déjà à être salissant le truc. Avec les. D'où j'ai des poils de chat. Mais bon, voilà. Comme je vous dis, il faut que vous commandez direct sur le site de Sony. Donc en plus, il est bien, voilà, il est réglable. Hop, hop, comme vous voyez, il est réglable. Voilà, vous pouvez régler à votre écran. Ça, c'est vraiment génial. Donc, je vous ferai un stream dès que la vidéo sera sortie. Donc, à mon avis, dès la vidéo sera sortie, ça sera jeudi. Donc, la console, je reçois en plus le même jour. Donc, au montage, voilà, au montage. Voilà, le fameux montage. Ça sera disponible, voilà. Et donc, on va s'attaquer aux caméras. Donc, dans 300 plus tard. Non, je déconne. Dans quelques minutes plus tard. Allez, à tout de suite. Bref, après la fameuse caméra, nous allons faire la manette DualSense. Voilà. Donc, ce n'est plus un DualShock, c'est la DualSense. C'est parti. Hop. J'enlève là-dessus. Hop, une deuxième carton, bien sûr. Bien sûr. Messieurs de chez Sony. L'écologie. Oh la vache. Oh la vache. Par contre, il n'y a pas de câble. De câble, hein, bien sûr. Vous avez, comme d'hab, un manuel. Et là, magnifique. Je l'ai dans les mains. Je vais pas vous le dire, la réaction. Mais je l'ai dans les mains. La manette. Voilà. La manette, voilà, voilà, si la caméra veut bien capturer la manette, franchement stylé de ouf, fissime, tellement, je sais pas si vous entendez, oh. Ouais, voilà, vous avez vu les LED, franchement génial, un bouton pour le micro aussi, franchement génial, je sais pas quoi dire, plus c'est du USB-C, donc voilà, on pourra peut-être, je vais peut-être tester si ça marche sur PC, tiens, on pourra peut-être tester sur PC si ça marche, tiens, quand même, je la trouve au poil de la, PS4, par exemple, ah, tu vois, la PS4, par exemple,
Il y a un truc, ouais. Il y a un truc, franchement. La manette de la PS5, je la trouve bien en mise, ouais, en mise de main. Franchement, tu l'as vraiment bien dans la main, quoi. Vraiment très très bien la main, quoi. Après, il faut voir. On verra, on verra ça jeudi. On verra ça jeudi. Donc, franchement, génial. Franchement, génial de chez génial. Voilà, la manette. Ah, franchement, génial. Génial, franchement, génial. Bon, franchement, génial. On va s'attaquer à la console. Moi, je dis à tout de suite. À dans quelques jours, plutôt dire. Dans l'ouverture de la console. Tomorrow for sure. Voilà, enfin on l'a, voilà la PS5 les amis. Je vais devoir me mettre une caméra bien sûr. Vous allez voir la petite tronche de Flo, tout sexy hein, bien sûr. Sur la PlayStation 5, bien sûr. Oh yeah, je suis là bien sûr, voilà. Hop, voilà, hein, la PlayStation 5 est là. Et pour longtemps, on pourra le dire. Allez, hop, c'est parti. Hop. Ouais, un jour après l'unboxing de la caméra et du DualSense, on va attaquer la console. Oula, vache. Ah, donc là. Ah, par contre, elle a déjà pris un petit coup. Elle est grosse en plus. Allez, sort, sort, sort. Hop. Elle a pris un petit coup. Aïe. Elle a pris un petit coup déjà. Désolé. Mais avant 36 000 cartons. Encore un autre carton, hein, bien sûr. Sony, ils aiment bien faire les cartons. C'est vraiment pire qu'Amazon. Alors, là, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, 1, 2, 3, ok. Et soleil, bien sûr. 1, 2, 3, soleil. Donc, il y a ça. Donc, il y a ceci. Alors, on va le prendre. Hop, qu'est-ce que c'est? Une petite boîte blanche. On commence déjà par la console. Je préfère commencer la console plus tard. On va commencer déjà ça. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, la garantie. 1, 2, 3. Ce sont des guides de sécurité. Donc des guides de sécurité et d'installation. Ouais, guide de mise en route et de sécurité de la console. L'alimentation. Donc là c'est vraiment une alimentation de PS4 hein, à peu près. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, ça c'est beau, ça aussi. Ça aussi c'est beau. Alors déjà, on a le câble de recharge USB-C pour la manette DualSense. Là, voilà la fameuse DualSense que j'ai touchée. Voilà, et là, celle-là, c'est celle de la console. Voilà, la DualSense. Voilà, ça c'est bon. Par contre, ouais, leurs cartons sont vraiment stylés. Oh putain, c'est génial celui-là. Oh, et ça c'est vraiment génial, Sony, ce qu'ils ont fait. Ce que Sony ils font est génial. Alors voilà, le stand vertical. Voilà. Par contre, d'après ce que j'ai entendu, pour mettre la console debout, il y a la vis à visser. Je sais pas si c'est comment, mais on verra. Voilà. Genre comme ça. Ok, voilà. Et la fameuse câble USB 2.1. Voilà, j'espère qu'il sera compatible à mon Avril Media. S'il n'est pas compatible, on va devoir faire des lives sur la console. De toute façon, on va faire des tests de live sur la console en premier. Donc, alors que la vidéo elle est publiée, vous avez vu mon live sur Astrobot. Hein. Astro Playroom, bien sûr. Donc voilà voilà.
Voilà, le Florian du le flow du futur, hein, le flow du café gaming du futur. Et j'essaye de tirer. Oh putain. C'est un fou, je n'arrive pas. Il y a mon lit. Il y a mon lit, ça va. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de stress. Il y a point. Eh, je suis tout rouge. Je suis tout rouge parce que je suis excité. Hein, voilà. Je suis excité, je suis comme un gosse. C'est la première fois que j'achète une console Day One, donc voilà, je précise. Les consoles de leur sortie, j'ai dû attendre. Je crois la Switch, j'ai dû attendre vers novembre. La console était sortie en mars, si j'ai pas de bêtises, la Switch. Je mettrai en petit truc vite fait, hein, tu sais, au montage, comme tu sais. Et là, c'est la première console que j'achète Day One. Après, les gens vont dire, ouais, mais Flo, tu sais, les consoles Day One, t'auras toujours des soucis, etc. Ok, ouais, toi-même, tu sais, voilà, je peux te le dire. Je suis pas très. Je serais très lourd. Oh putain, la vache. Oh la vache. Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, voilà la bête. Oh, je sais pas, on voit très bien là. On voit très bien. Voilà. Franchement, magnifique. Hop, tac. Voilà. On peut la mettre couchée, on peut la mettre debout. On va essayer le truc là. Le truc du stand. On sait, je dis pas de bêtises. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça le truc. La petite vis. Alors, la petite vis qui va peut-être me filer le petit truc. Par contre, je sais pas comment tu gères cette vis. Ok, c'est une cruciforme, donc à mon avis. Elle va comment la merde? Elle va comment cette merde? Je sais même pas s'il faut le mettre comme ça. Mais bon, voilà quoi. Donc, je regarderai vite fait une vidéo sur internet comment on l'a posée. Ah, et franchement, elle est grosse, hein. Elle est vraiment grosse. Je crois qu'elle fait deux fois plus que la peau de la Play 4. Vous savez quoi? On va peut-être faire une vidéo après de la taille des consoles. Et je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et ouais, donc voilà, ouais, donc le start-up de la console, voilà, révélé. Honnêtement, voilà, vite fait. Donc ouais, j'ai pas voulu faire l'installation complète en vidéo, hein, montrer mon identifiant, tu sais, faire le truc identifiant, etc. en vite fait. Mais bon, voilà, donc sérieusement, console, voilà, en unboxé, voilà, bien sûr, hein, vite fait. Et donc je remercie Barjo pour faire la petite intro, hein, la petite intro en version PS5, hein, de la console. Et donc bah, je vous en... bon, je dis que en bref, parce que vous avez entendu dans la fin de la vidéo que je devais faire le test, je sais plus quoi, des tailles entre des consoles. J'ai dû merder un petit peu, voilà, ouais, j'ai merdé un petit peu. Bon, la caméra n'était pas au top aussi, voilà, j'étais tout seul pour filmer. Ça aurait été top que je serais été avec une deuxième personne, genre Imago qui serait là. Mais bon, avec le problème sanitaire qu'il y a eu, hein, on peut le dire, le deuxième confinement, et ben c'était pas top quoi. Donc j'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber pour les tailles de la console, les tailles de la console entre consoles, bien sûr, et beaucoup de choses, hein, en ce qui concerne la console. Et d'autres consoles. D'ailleurs, voilà, en même temps, hein, je vous fais défiler la console, le menu de la console, vite fait, je vous ai fait montrer les quelques petits menus. Et les nouveaux jeux qui arriveront sur PS5. Certes, je ferai une petite vidéo. Pour donner mon avis sur cette console, hein, dans le mois prochain ou dans deux mois précis. Donner mon avis précis de cette console. Déjà, j'ai un petit défaut. Déjà, j'ai trouvé des défauts et des avis positifs de cette console, la PlayStation 5 bien sûr je parle, comparé à Xbox
Series X, bien sûr, que je ne possède pas cette console, bien sûr, je ne jamais de la vie, je peux dire jamais, peut-être, un de ces quatre, je le choperai cette console de chez Microsoft, mais je ne pense pas me choper une Series X, parce que moi, je suis plus dans mon côté PlayStation et Nintendo, bien sûr, voilà. Et pas mal d'accessoires, voilà, bien sûr, qui est sur la PS5, bien sûr, qui en plus, que j'ai pas tout... Pas tout prix les accessoires, mais donc il y a certains accessoires qui sont qui m'ont servi vraiment beaucoup de choses. Donc la caméra HD de la Play pour faire des streams dessus, qui c'est vraiment, je peux le dire, au top, mais un petit qualité un peu faible, moi je trouve, par rapport au fond vert, parce qu'il ne reconnaît pas, il ne reconnaît vraiment pas le logiciel. Tandis que sur PC, une caméra même mauvaise. Qualité trouve le bien le fond vert quoi, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses vraiment que j'ai de choses à dire sur les accessoires PlayStation. Qualité bonne ou fausse, donc on peut défaut. J'ai des défauts et des bonnes, j'ai des bons trucs quoi, mais bon, j'en parlerai ça plus tard dans quelques mois précis pour faire. Donner mon avis dessus quoi sur cette console, mais bon et aussi vraiment le côté défaut de la console, c'est que j'en parlerai vraiment de la console de même. Je donnerai plus les qualités de la console de même quoi. La manette a vraiment un succès de fou quoi. Pour moi je trouve que c'est un succès de fou pour la manette de PlayStation, donc DualSense avec les gâchettes adaptatives, microphone intégré. Vraiment des sticks aussi qui sont vraiment sympas aussi, voilà, par rapport au PlayStation 4. Mais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc sur ce, les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui va être l'avis de la console. Donc on se donnera peut-être dans un ou deux mois précis pour que le temps de la console ou même la plupart des jeux soient sortis. Mais je crois qu'à mon avis, ils ne seront pas possible que ça soit cette année-là, vite fait, parce qu'en plus, c'est tellement des bons jeux, par exemple Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, que j'attends impatiemment, ce nouveau Gran Turismo, Ratchet & Clank et Rift Apart, bien sûr aussi que j'attends, et beaucoup de choses, de jeux PlayStation, voire même Xbox Series X, qui vont être sortis, qui vont sortir bientôt, quoi. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse, moi je vous dis à la prochaine, c'était Faux de la chaîne Café Gaming, et moi je vous dis à la prochaine pour le Café Collector. Bye. Café Gaming. Ici, on ne sert pas que du café, on parle jeux vidéo.